Maintenant, on va jouer de la poitrine. J'ai tué les exercices techniques. Il n'y a aucune force. Je viens lancer ma poitrine et je laisse rebondir une fois. Je joue là, lance ma poitrine. Hop, maintenant, bam, encore. Lance, petit chop, lance comme ça. Alors, hop, maintenant, allez, hop. Allez, go, allez, go. Hop, gauche, bam. Ok, c'est parti. Voilà, calme. Laisse rebondir. Maintenant, voilà, bravo. Allez, c'est parti. Non. On est gazé quand j'arrive. Allez, hop, hop, allez, hop, allez, hop. Vous avez vu? Il y a quoi là-dedans? Il y a de la vitesse dans la passe. Et maintenant, quand j'ai joué, un, je joue. Allez, deux, hop. Maintenant, il me donne. Allez, hop, et il part. Vous êtes encore en train de dormir. Vous avez suivi? Bam, 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 on quitte. Ok, on essaie de mieux faire maintenant. Allez, c'est parti. Deux. Voilà. Très bien, allez, on quitte. Voilà, très bien. Voilà, tac, on quitte. Voilà, bravo. Un, allez, deux. Ah, magnifique, allez, on quitte. Voilà, allez, voilà, voilà. Très bien, bravo. Tac, voilà. Ça joue, les gars, bien joué. Très bien. Allez, on est tranquille, maintenant on joue. Un, allez, on joue. Deux, voilà. Magnifique. Maintenant, on va jouer le même avec le coup de pied. Je vais vous dire, je suis bien gagné, il me donne le ballon et je frappe dessus. Paf! Vous voyez, c'est bien adressé sur lui. Là où le ballon va, le pied, il montre là où le ballon doit partir. C'est la même chose, mais on joue un, on joue deux, allez, on quitte. Allez, c'est parti. On gagne le pied. On gagne le pied. Il n'est que dans la partie de l'eau. Regarde la face de celui-là. A dit. Sans aucun obstacle. J'ai dit je joue, je pars. C'est dur à comprendre. Là. Regarde, il dort. Oh, 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 la passe à terre. La passe au sol. Voilà. Et tu pars. Voilà, tu accélères, tu crochets, tu le regardes, le voilà déjà, regarde, tu pars, et tu pars, voilà. Rapido, regarde la vidéo, laisse la vidéo, c'est là, oui, mets le feu, la gare, la vidéo, la vidéo, qu'est-ce qu'on a appris?
exiger plus quoi? Exiger. La bonne passe. Voilà. La bonne passe. Surtout, ce qu'il a dit. Quand vous voulez donner un cadeau à votre ami, vous le donnez avec amour. Voilà. C'est comme la passe là. Si vous faites une bonne passe, vous aussi continuez à la diriger de la bonne manière. Mais quand ça vient avec l'air, on appelle ça quoi les théodates. Ça rebondit. Voilà, ça rebondit, ça devient difficile. Faites tout à vos entraînements, même étant seul. Même dans vos séances privées, faites tout pour que le ballon roule. Même si le terrain est mauvais, c'est nous qui dominons le ballon. Ce n'est pas le ballon qui doit nous dominer. Si l'on a vu, comment est-ce que vous améliorez, ça ne sait pas, ça continue. Et à la fin, on peut être content. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'évolution. Vous comprenez? Je dis comment ça change. On était très mou, très timide. Le footballeur ne doit pas être timide. Ça doit être un monsieur qui court. Hein? On est gardien. Quand il dit, hey, si tu es là, tu fais comment? Tu vas fuir. Mais si lui, sont comme. Il dit qu'on va bouger les reins. Bien, les gars, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Moi, je vous demande d'être très heureux. Voilà, vous servez bien avec vos entraîneurs. Quand le coach dit, bon, un tout terrain, très vite. Bon, on est là, on va jouer la passe très vite. Parce que le footballeur le plus éveillé dans les matchs, il gagne. Et il gagne. En début de la rencontre, là. Les gars vous assistent, tac, 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 ils vous ont mis ça dedans. Avant que vous vous réveillez, c'est tard. Donc, il faut être très éveillé à vos séances d'entraînement. Ne soyez pas timide, ne soyez pas mou. Moi j'aime le football, ça veut dire que je dois le faire avec beaucoup de passion. Hein? Bien, vous allez jouer tout à l'heure, je vais regarder. Il y en a qui vont jouer là aussi. Et déjà au match, vous essayez tout de suite de comprendre. Ah, le coach a dit la bonne passe. La bonne passe se fait de telle manière. Il y a une différence entre amortir un ballon et la remiser. Et quand j'ai besoin de remiser, je n'amortis pas pour que ça reste sur place. Je remise pour qu'il enchaîne avec. Hein? Comme ça, ça va beaucoup vous aider. Ok? Bon, bonne séance. Hein?